Hey up, tout le monde, c'est Saturne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 3 de ce let's play sur Lust for Darkness. Alors, on explore un petit peu dans la chambre, j'ai trouvé la solution. Tout bêtement. Je sais ce qu'il faut trouver, en fait. Alors, en fait, c'était tout bête, c'était à force de... J'y ai pensé en repensant aux lettres, tout simplement. Quand on tourne les objets, que ce soit les lettres ou autres, il y a souvent un symbole franc-maçon. Et je suis passé à côté de cet objet. Je l'ai tourné comme ça, bêtement. J'ai regardé peut-être vite fait en bas, mais j'ai pas regardé en haut. Et en fait, on voit qu'on peut interagir. Donc il y a une énigme en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a une énigme avec ce système-là. Et en toute logique de jeu vidéo, comme c'est la première énigme, ça doit être la plus facile. Il faut tout aligner parfaitement, je suppose. Voilà. Voilà, tout bêtement, c'est ça. non. Vas-y, ramasse. Ramasse, mon ami. Voilà. Hop. Comme d'hab, j'oublie les lettres pour que ça aille plus vite. Mon chéri, je sais que tout ça est inimaginable pour toi, vraiment. Excuse-moi, il faut que tu te contentes de ces quelques mots pour le moment. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous voir maintenant, mais reste dans le manoir, s'il te plaît. Et sois prudent. N'attire l'attention de personne. Tout va bien se passer. Attends notre nouvelle de ma part. Je t'aime. Signé Amanda. It's true, even if I can't accept it. At least she's alive. I need to get her out of here. Somehow. Tout à fait, tout à fait. Donc, on va pouvoir, ben, Oh là 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 là, ça y est, ça commence. Le côté amnésia commence. Ah ouais. Par contre, je sais pas du tout s'il y a un système de santé mentale ou autre. Oh la vache. Oh la vache. Ça, c'est toujours ces espèces de... On dirait une espèce de Cthulhu, je sais pas trop quoi. Ah la vache, vite, sors, lumière, là. Respire, inspire, expire. Voilà, tu vois, tout a disparu. Allez, on y va, c'est parti. Avec cette musique, bien entendu, comme par hasard. Oula. Ouais. Voilà, je vous ai juste coupé le chargement. Je veux même pas savoir ce qui se passe. Attends, mec, tu paniques, ils sont juste à poil, sérieux. Enfin, à moitié. Mais connaissant le jeu, voilà, ça va être de pire en pire, voilà, carrément. Oh la violence. J'ai peur par rapport à YouTube à chaque fois avec ce jeu, c'est impressionnant. On y va, on passe. Puis l'autre mec semble paniquer quoi. Genre t'as jamais vu d'orgie de ta vie. C'est rien, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Oh my god. Oula, ouais. Ouais. Alors je sais que certains vont me reprocher de le passer trop vite, donc bon. Moi j'essaye de pas trop m'attarder sur les personnes à poil et ce genre de choses parce que voilà, ça reste quand même sur YouTube, hein, faut le savoir. Bon, je lui mate, c'est génial. Une orgie de fétichistes masqués, ben c'est impressionnant, voilà. Ah ouais, la violence, bon. Et notre mec il panique pour ça. Et. Oui, bon, classique ce coup-là, hein. J'ai joué à plein de jeux d'horreur, je connais. Oh là là, mais toujours ces statues, c'est horrible. Ah, apparemment c'est une cinématique, donc... C'est ça que j'adore avec Lovecraft, c'est qu'il a toujours des créatures un peu bizarres comme ça, inexpliquées. Là, on avait une espèce de Cthulhu en bois. C'est impressionnant. Bon, du coup, il se passe quoi? Ah, bon. Voilà, je vous passe les chargements à chaque fois parce que... Eh, tu titubes un peu, mon gars.
Pourtant, t'as même pas profité de la soirée, donc je vois pas pourquoi tu titubes. Allez, réveille. Réveille, réveille. T'es bon? I don't know what's happening to me. I need to get a hold of myself. I need to find Amanda. D'accord. Eh ben, on va retrouver ton Amanda, hein, de toute façon. On n'a pas trop le choix. Hein, les amis, nous n'avons pas le choix du... Oh, la violence. J'ai l'impression que votre orgie, elle s'est mal finie, hein. On dirait les trucs de secte. Alors, je fouille pas trop les tiroirs, même si je peux le faire, parce que c'est pas comme Amnesia, voilà. Il n'y a pas de choses à ramasser à proprement parler dedans, je pense pas. Ou alors, vous me direz peut-être dans les commentaires si vous connaissez le jeu, pour certains... Oh, la violence. Ah ouais, ben là, votre orgie, elle s'est très très mal finie. Alors, qu'est-ce qui se... D'accord, je peux interagir avec ça. Là, c'est une orgie qui a très mal fini, j'ai envie de dire. D'accord. Alors là, je viens de comprendre un truc. Je comprends pourquoi certains le comparent à Agony un petit peu, notre jeu d'horreur. Juste pour cette partie. Ouais, rien que pour cette partie organique là. Allez, on va courir, hein. Nous on rush, on n'a pas peur, on est courageux. On est courageux, on n'a pas peur. Et c'est vrai que c'est un endroit assez bizarre, hein. Je sais pas ce que c'est. Hop, voilà. J'étudierai ça en détail plus tard. En fait, ça fait à la fois un peu alien, j'ai envie de dire, et à la fois très cauchemardesque. Oh, la violence! Oh, la violence du truc! Bon, on rush, nous on est courageux, on n'a pas peur. Ça doit puer l'énigme. Non, c'est pas une énigme, d'accord. What the fuck is this for? Je sais pas à quoi ça sert, putain. je suis aussi perdu que toi, mon ami, hein. Ah. En fait, là, on se retrouve directement de l'autre côté du portail. Ok, ok. Bon. Le temps que j'analyse la situation, je vous propose une petite transition. Juste pour éviter que ce soit trop pénible pour vous. Ah. Quoique. Ça y est, j'ai trouvé, en fait. C'est ça. Hop. À la sensibilité. Enfin, je pense que c'est ça. C'est pas ça? Ah ben super, 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 super. Alors, ça c'est quoi? On va le prendre. Et tout bêtement, ça se met là. Non, tu ne le mets pas là. Ça m'aurait semblé logique pourtant, donc. Ah, est-ce que tu le mets là par hasard? C'est ça. Et là, ça sent la bonne vieille énigme de jeu d'horreur. Et à mon avis, il m'en faut deux autres, tout simplement. Donc, allons chercher les deux autres. C'est parti. Je vais continuer, je pense, à vous faire quelques coupures si je vois que je tourne un peu trop en rond pour que ce soit vraiment plus agréable pour vous à regarder. Il faut que j'arrête de passer dans cette salle à chaque fois. Et ce mec-là, c'est violent. C'est violent. Je sais pas comment YouTube fait pour accepter ce jeu. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Je touche du bois, mais pour l'instant, j'ai pas eu de soucis du tout. Mais prudence, quoi, prudence. Voilà, tout bêtement, ça a l'air d'être dans la même pièce, hein. Je viens de tourner en rond un petit moment avant de retrouver ça. Voilà, ça fait 2 minutes que je tournais en rond et tout simplement... Ok, bon, lui apparemment il sait exactement où le placer, c'est bien. Je ne sais pas si je dois mettre quelque chose dans le dernier slot, mais... Well, all I can do is try. Tout à fait. On n'a pas le choix si on veut revoir notre chère Amanda. On n'a pas le choix, donc ça doit être dans la pièce, c'est bien ce que je disais. Hop. Voilà. Allez, on y va. Et il se passe quoi en gros ?
c'est pas toi. Ouh. J'aime pas être perdu comme ça dès le début du jeu, c'est impressionnant quoi. On en est même pas, je pense, à 15% du jeu et on est déjà perdu quoi. C'est impressionnant. Toi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que tu vas te lever au bout d'un moment. Toi, je te sens pas. Toi, je te sens vraiment pas. Je sais pas pourquoi. Ça, tu veux toujours pas le prendre? Ouais, je sais que c'est bizarre. J'ai ouvert quelle pièce exactement? J'ai ouvert quoi? J'ai fait quoi? D'accord, ça a fusionné. Donc, je suppose que ça se met dans cet empressement-là. Ça, c'est totalement logique. Voilà, on active. Autant pour moi, j'ai pas pensé qu'il fallait... Ah, d'accord, faut vraiment... D'accord, bon, c'est encore le genre d'énigme où il faut, faut tout mettre parfaitement au même emplacement. Ok. Bon. Alors, le temps que je fasse tout ça... Ça y est, j'ai trouvé en fourriant un peu. Tout simplement, c'est toujours le même symbole. Alors, c'est pas celui-là que je veux bouger, c'est celui-là. C'est toujours le même symbole, voilà, du logo. Il faut parfaitement l'aligner avec... alors, je montre. Parfaitement aligner les symboles entre eux, tout simplement. Donc, la flèche, on va la mettre. Et si je la retrouve... Donc, toi... La flèche, il me faut la flèche. Voilà. Toi. Parfaitement aligné là. Toi. Ah, raté. Voilà. Et maintenant, il faut que je bouge. Ah, je me suis trompé. Donc toi. Voilà, c'est toi qu'il faut que je bouge et que je te mette à l'emplacement là. Et c'est toi qui n'est pas à la bonne place, tout simplement, j'ai l'impression. Voilà. Bon, après, c'est vrai que dans les jeux, on a les choses très indiquées. Hein. Il y a pas de souci de ce côté-là. Peut-être que j'accélérerai le passage qu'on vient de vivre là pour que ce soit plus agréable pour vous, je sais pas, je verrai. Continuez un petit peu. Oui, enfin, là vous êtes dans la merde, clairement, ce qui s'est passé, vous êtes mort. C'est toi le masque de luminance, je sais pas quoi là. Oh là là, violent. Alors si je reviens dans cette pièce, ça va pas le faire. Donc le masque qui montre blablabla. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose autour des masques dans ce jeu. Il y a vraiment voilà, quelque chose en lien avec les masques directement. Bah, c'est avec toi qu'il faut que j'interagisse, c'est obligé. Tu montres quoi? Tu montres quoi, ma chère? Alors, il y a des trucs là, il y a des trucs là-haut. Toi, t'es mort. Voilà. Donc, c'est quoi ça encore? Faut vraiment porter... Ouais, c'est ça, il y a vraiment un délire avec les masques. Allez, c'est parti. Oh. Oh, l'horreur. L'horreur de la vision. C'est juste ignoble. Alors, est-ce que je peux marcher sur ça? Est-ce que je vais tomber? D'accord. Bah, c'est bon à savoir. Par contre, c'est horrible. C'est horrible ce masque. J'espère qu'on va pas le garder longtemps. Oh la violence. Enfin, pour vous aussi, ça doit être violent, hein, parce que c'est. Ah, je rêche. Je suis devenu fou.
Comment ça, je suis devenu fou? Comment ça, je suis devenu fou? Oh, la violence! D'accord, moi je faisais un test parce que je sais que j'avais une touche pour enlever et mettre les masques et je me suis fait tuer bêtement par je sais pas quoi, j'ai même pas eu le temps de voir. Succès déverrouillé. Mort sans votre accord, ouais, c'est ça. C'est ça, mort sans mon accord, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faut que je cours, il y a. Oh non, toi tu m'auras pas. Cours, tu cours, tu t'arrêtes pas. Lumière. Oui. Voilà. Ah, oh, c'est bon quoi, mourir sans mon Mais bref, vous avez compris. Amanda. Amanda, it's you, isn't it? I can't believe it. I can't believe what's happening here. Please tell me I've gone insane. It's me. But we need to stay calm. Keep it together. Baby, tell me. Why? Why are you here? Why didn't you let anyone know? The cops have been fucking searching for you. Do you understand that? Tell me. I've been kidnapped. You could have escaped. We could have made it. And even if they got me first. They didn't say they would kill you. They threatened to kill the baby. What? What are you? That son of a bitch said he would kill the baby, Jonathan. Our boy. When they kidnapped me, I was pregnant. Oh, Peter. I gave birth in this fucking mansion. I don't know. Listen, we don't have much time. That's why I brought you here. The ritual is our best chance of getting our baby back. I cannot do that. I must help Willard all the time. But I managed to get some information. The room with a crown symbol. That's where he keeps him. We'll have to find our son and escape. I'll join you later. Willard, the owner? It was him? He was behind all of it? I've gotta go. Our baby. Alors je ne contrôlerai rien, hein, c'est automatique, hein, pour ceux qui diraient que c'est un peu long. Careful. If something happens to you, I'll never be able to forgive myself. Amanda. D'accord. Eh bien, super, donc notre femme était enceinte au moment de la première vidéo. A man who entered our lives and turned it into something grotesque. If it hadn't been for him, I would have been with Amanda all that time. And I would be a father. I don't really know who Willard Yelverton is. I only know he brings evil and he has now breathed it into me. I just found out that I have a child. He should be filled with love, but all I feel is pure, growing hatred. Burning inside me, delightfully like poison. Oh là 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 là. Alors c'est compréhensible. D'un côté, c'est vraiment très compréhensible d'être super énervé quand il t'arrive quelque chose comme ça. Sans compter que je sais pas ce qu'il a fait avec ta femme, hein, je veux pas le savoir. Parce qu'il a fait avec notre femme, je veux pas du tout le savoir. Mais je sais une chose, c'est que, voilà, abuser d'elle comme ça, à ta place, j'aurais pété les plombs aussi. D'accord, et on est dans son bureau. On trouve la chambre avec le symbole de la couronne. This mask must belong to Willard. Donc on ne doit pas le prendre, ouais, parce qu'en plus il s'est tapé notre femme, cet enculé. On se rappelle au début du jeu, dans la cinématique. Oh l'enfoiré. Oh, mais quel enfoiré. Et en plus elle était enceinte. Oh là 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 là. Ouais, je comprends que tu deviennes fou, mais essaye de pas trop devenir fou. Le but est de repartir avec ton enfant. On va chercher ton enfant. Bon, moi j'ai toujours des masques, donc tout va bien. Creation is an act of God. Who is God then, if not the creators of this world? Ouais. Let us take a look around once again and ask a question. Who creates this world? Who retrieves order from chaos?
Is God and human not the same answer? Oula, oui, si tu veux. Alors là, je vois qu'il y a des chambres avec des papillons, des machins, des bidules. Et nous, il nous faut la chambre avec la... Oula, oula, la, 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 la. La couronne, la chambre est là. Crown symbol. This is the room Amanda mentioned. Is my child really there? This is madness. Ouais, 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 c'est vraiment de la folie. C'est vraiment de la folie. Tac. Shown errors in the foundation of our association. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup d'erreurs. Oh, pardon. Nope. Vas-y. Hop. Alors, apparemment, là, si je parle dans le micro, ce sera mieux. Apparemment, tout le monde n'est pas passé dans l'autre monde. C'est du gâteau, c'est bizarre. Il fait un peu trop métallisé votre gâteau. Enfin bon, ouais, c'est bloqué. Il me faut une clé. Il me faut une clé ou quelque chose comme ça. Comment je fais pour aller dans la... Non, tu veux pas, pour pouvoir te défendre, cacher ça quelque part. Non, bon, d'accord. Ça aussi, c'est toujours le problème de certains jeux, notamment d'horreur, c'est qu'il n'y a aucun moyen de se défendre. Ah, parce que maintenant, il y a des poltergeists ici, c'est nouveau. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'embêter. Ouais, ben Losgar, on a vu, c'était super gore. Il y a des espèces d'entités bizarroïdes, des trucs... dont je n'ose parler. Voilà, donc j'espère que ça va passer sur YouTube. Bon, alors, ici, M. Ah oui, d'accord, c'est le répertoire P. En tout cas, c'est très joli. J'aime bien. Alors, est-ce qu'il y a une porte ouverte quelque part ou c'est tout bloqué? Le papillon, non. Bon, là, toi, t'étais bloqué. La chouette, mon animal totem. Non? Non, bon, d'accord, c'est pas grave. Pour une fois, mon animal totem ne m'a pas aidé. Bah, hop, petite tranche. Autant pour moi, j'ai pas fait gaffe à cette porte. Je pense que je vais aller beaucoup trop vite et du coup, je rate des choses tout le temps. What now? Your moves are so faulty. So clumsy. Leave the guests alone. No, I'm... If you're looking for someone to play with, perhaps I could be of use. No, I'm sorry. No. No, please. Please. Ok, il y aura un système de code et tout. Oh là 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 là. Est-ce que je peux sortir maintenant? Non, je suis toujours bloqué. Je suis toujours bloqué. Ben écoutez, vous savez quoi pour cet épisode? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé. J'essaie de m'adapter aussi au jeu parce que je ne le connais pas. C'est vrai que voilà, je me suis laissé surprendre par l'entité. J'ai tourné en rond un petit moment. Ça m'arrive à certains moments. C'est plutôt rare que je galère comme ça dans un jeu d'ailleurs. C'est étonnant. Mais bon, on va arranger tout ça pour les prochains épisodes. Quoi qu'il en soit, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous, à la prochaine, c'était Saturne, et ciao!